plus on pourra jouer avec des pédales longues, mieux on arrivera à créer cette atmosphère un peu lourde comme ça, presque humide, d'une sombre forêt avec ces cris d'oiseaux qui de temps en temps transpercent ce silence, mais qui viennent d'un peu, on ne sait pas trop d'où. Alors, les trois premières mesures, ça c'est une indication que tout le monde connaît peut-être, mais c'est une transmission directe de Ravel à mon maître Perlmutter. Il voulait qu'elle soit improvisée. Donc, bien sûr, nous improvisons, mais nous improvisons sur un texte donné. On peut jouer souplement, librement, mais en respectant quand même ce qui est écrit. Une autre chose extrêmement importante est l'attaque de ce premier si bémol, qu'il ne faut en aucun cas jouer avec un son mou, genre, mais avec un son un tout petit peu percuté, qui peut se travailler avec une espèce de fixation, comme si on avait l'impression d'avoir un maillet à la main, et si on veut mettre une cloche en résonance. Et le maillet, il est d'un seul bloc. Donc, si vous avez cette image, vous pouvez penser à un seul bloc entre le bout du doigt et le coude, et en prenant un tout petit peu d'élan, et la deuxième note qui suit cet accent est une résonance infiniment lointaine. Il faut vraiment qu'il y ait une énorme, énorme différence entre les deux notes. La deuxième note peut être jouée simplement en posant le doigt sur la touche très délicatement, hein. Voilà, à partir de la deuxième ligne, bien sûr, c'est plus mesuré, parce que nous avons ce continuo de triolet qu'il faut jouer extrêmement pianissimo. Voilà, nous devons faire avec un quatuor à cordes. Quatre voix. Choisir une petite couleur pour la plainte. L'oiseau, lui, toujours lointain, mais toujours avec la même attaque. Et quant aux deux autres voix, à la limite de l'audible. Voilà. Et il faut se réserver un tout petit peu de marge pour jouer encore plus piano au triple piano. Et là, on va changer très clairement la pédale droite à l'entrée du triple piano.